Coucou mes chouquis, comment vous allez? Un doudou qui est sur mon colo. Comment est Mimi? Ça va-t-il? Oh, du mal. Comment on fait? La musique, elle est pas trop forte. Vous m'entendez bien? Parce que j'ai levé un peu mon micro parce qu'on voyait. On le voit trop sur la cam, c'est chiant. Peut-être monter un peu plus fort. Mais... On est foutu, il s'est allongé. Même mon lapin, maman de colo. Du coup, je me répète. Coucou et Mimi, ça va? Tu m'entends bien? On entend bien la musique aussi? Coucou Dino. Comment tu vas? Bon, ça va, ça va. Ça fait 3 jours que... Je passe des nuits en me réveillant, c'est un peu chiant. Ouais, j'ai... j'ai pas de yeux. Il y a 2 jours que je fais des cauchemars et hier, cette nuit, j'ai eu la tête qui chauffait, ça m'a réveillée. C'est chiant. J'ai trop de trucs en tête, elle est trop remplie ma tête. On peut plus en mettre plus, là, c'est bon. Comment Mei Mei? Ta mutine, que va? Bah mon bébé, t'es pas un colo? J'ai déjà colo des chats.
Non, c'est pas une chatte, c'est un chat. Déjà. Oh, Missy Boutoruissab, le petit kératoma mémé. Missy, Missy. Mon pito, c'est un garçon. Comment tu vas, Kiwi? Son 20e mois, mon Dieu. Ça passe vite le temps. Mandinette. Comment tu vas? T'as pas eu la notif? Bon. Pourtant, j'avais tout ouvert en plus, Mablo. J'avoue, c'est bizarre, Tine. Là, je suis un petit peu plus fort. Et Kiwi qui s'énerve, là, attention. Ouais. C'est pas un stream, ouais, caresse Pito aujourd'hui en fait, hein. Il n'y a plus de respect pour les anciens de toute façon, ça a changé. Les anciens. Un Kiwi se prend pour personne de 70 ans, quoi. T'es con. J'ai du mal à ouvrir mes yeux. Oui, des saucissons. Moi, Doudou, c'est pas tout ça, mais... C'est qui en veut? On va essayer de bouger un peu. Fais des bisous. Hop. Tu bouges? Non, non, pas sur ma tour. Il cherche du chaud, du coup il dort sans ma tour en ce moment, il est chiant. Non, 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 non. Il veut dire, je peux pas dormir sur ton colo, je peux pas dormir sur ma tour, sur ta tour. Il cherche des endroits aussi, s'il te plaît. Allons noter aux oiseaux. Je vais prendre mon gant. J'ai prévu quoi de beau aujourd'hui? Ça chauffe, pourquoi? Y a du boulot?
Un beau mardi tout ça. Boulot, boulot, boulot. Elle dit ça, mais cet après-midi, c'est pareil. Ah non, pas travail, écolo. Bon, on va prendre ce qu'il y a au début, du coup, on va prendre les feuilles. Nounours! Oui, nounours! Mon dieu. Elle est arrivée après toi, du coup logiquement c'est à toi de lui dire bonjour. C'est ce que j'allais dire avant. Elle a toujours une excuse, c'est mes problèmes. Mais... qui gratte.
rien. Je crois que tout le monde est malade en fait. Bon, après, c'est le temps à l'hiver. L'automne-hiver, c'est bonjour le froid, bonjour la maladie. Ben, bonjour les rhumes, bonjour la bronchite. Moi, je dis vivement le printemps. Moi, c'est... Ah, moi, ça va, je suis un peu immun... On peut dire que je suis un peu immunisé par le rhume parce que... Ah, vu que je suis asthmatique, j'ai un traitement pour le rhume. Parce que, en fait, moi, si j'ai un rhume, ben, c'est quand même assez grave. Parce que ben, si je peux plus respirer, je fais des crises d'asthme, en fait. Du coup, j'ai un traitement à prendre tous les soirs avec mes bombes, du coup, depuis que je suis toute petite. Du coup, pour le rhume, c'est rare que j'ai un rhume. Ou c'est juste des petits sniffs ou, tu vois, moucher de temps en temps, mais pas boucher. Se laisse tomber, t'imagines si j'ai le nez bouché et... Laisse tomber. J'avais déjà quand j'étais petite, et ben j'ai eu beaucoup de crises, du coup on m'a donné un traitement. C'est chiant, je dois me mettre des trucs dans le nez tous les soirs, mais bon au moins. Mais par contre pour les bronchites, ça je suis pas immunisée. Mais bon. Ça va peut-être mieux m'aider de. Vu que je fume putine, je n'aurai peut-être moins. Parce que déjà à l'heure actuelle, j'en aurai. Que pour le moment, j'en ai pas. J'ai juste. Après, je crois que ma tête qui chauffe. Je sais pas. Je sais parce que j'ai changé de pilule, du coup, je me demande si c'est ça ou pas. Je verrai bien. Parce que voilà quoi, j'ai. Bon, on va parler trucs de femmes, mais bon. Mireille, ça a arrêté dimanche dernier, pas dimanche, le dimanche dernier. Et je les ai re-eu ce week-end. Et je perds beaucoup, du coup, je suis toute vidée et. Mais tout, j'aurais plus de sang, quoi. Mais. Laisse mon sang, oui. J'en ai besoin. C'est peut-être pour ça que, je sais pas, que... On verra bien si j'ai ça encore pendant toute la semaine. Donc je vais revoir le Gigi, quoi. Hein? Que vie d'être une femme! Cours! Cours, mon Dieu, tu veux me retrouver par terre ou quoi? Ça me dit quelque chose. Mais j'arrive plus à dire quoi. Non, arrête, je l'ai au bout de la langue, mais j'arrive plus. Oh merde. Je peux réfléchir avec une tête qui chauffe comme ça.
Ouais, sûrement, mais là, quand tu me dis cours, je pense à la musique et je cours. Je m'accroche à la vie. Je me souviens avec le bruit. J'ai que ça en fait quand tu me dis cours. Mais ouais, c'est possible. Mais ça me fait penser plus à une phrase de film en fait. Où je rêve. Ça va plus, les filles, ça va plus. Ça y est, la chaleur de ma tête me fait délirer. T'es con. Putain, ma gueule. Je ferai un bon tout à l'heure, tu verras. Ok, on me dit ça. C'est pas moi, c'est le monsieur. De quoi? Tu parlais, Mimi. Qui a fait le monsieur? Ah, tu parles de Monsieur Kiwi, peut-être. Toujours en train de faire des bêtises, ce Monsieur Kiwi. Quoi? Ah, c'est Maître Kiwi, pardon. Mais c'est peut-être pas monsieur. C'est vrai qu'on sait pas. Si, si, c'est un monsieur, je le connais bien. Ah, ma ondinette! C'est que t'as des frissons? Maître Kiwi sur son arbre perché. Son bec. Ok, bonne réunion à toi, Maïmaï. Bonne jeune réunion quand t'es pas bien. Ah, courage, courage. Commence pas avec tes propositions, Dina. Gentil, cher. Ah oui, ok. On va mettre un gros pull rose, là. J'ai mis un gros pull de Noël. Oui, c'est déjà Noël là-bas. Un petit peu plus d'âme, ouais, c'est déjà Noël. Ça passe vite.
Ça passe trop vite. Pardon. Après, ce sera la nouvelle année qui commence. Cette année-là, ça va passer encore trop vite, c'est un... Bon, allez, j'essaie de rester concentré pour... pour vite, je m'emmerde, hein. Pour vite pouvoir jouer, oui. Ah non, parle-moi pas de jouer. Non. Non. T'as bien raison, vas-y. Termine, termine. Non mais sérieux, je suis droguée à un jeu, mais je savais pas qu'on pouvait être drogué à ce point-là. C'est la faute de Ondine, ça. Jouer, 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 jouer. Ondine, elle m'a trouvé ma drogue. Alors, j'ai dit, on a appris le live, bah, je vais essayer de faire un peu mon sport. Je vais peut-être pas faire que 45 minutes, mais je vais faire au moins 20 minutes. Est-ce que je sens que j'en ai un peu besoin, mais... Je suis quand même un peu dans les vapes, mais bon. Ouais, j'aime pas streamer alors que j'aime. Je commence pas avec vous en fait, tu vois. J'avais pensé, hein, j'avais pensé. Mais je me dis, je vais couloir un peu, ça va me faire du bien quand même. Parce que là, je vais arriver comme ça avec mes 60 heures de jeu. Alors voilà, j'ai déjà mes lapins, j'ai déjà des poules, j'ai un dada. Je suis déjà à peu près à... J'ai déjà vu des petits bouts d'histoire, j'ai débloqué quelque chose. J'avais pensé, j'avais pensé. Mais là, j'ai... J'ai joué tout le week-end. Là, après le boulot, je vais un peu dessiner aussi. Si je fais pas mes cadeaux de Noël, ça approche vite. Hein. J'ai reçu ma bague. J'ai reçu une box. Ma box livre on. Un bug, mais je crois. Ah, c'est ok. C'est celui-là avec le challenge. Oh merde! Il consiste à quoi le challenge déjà? À lire le livre en un mois? Non, si. Sale. Ah si. Ça va, c'est pas des grands livres quand ils font ça. Tu l'as déjà fait ou pas? Aïe, mon épaule a craqué. Là, je l'ai allumé, ok.
C'est challenge pour toi, ça. Tous les jours, 8 chapitres. Ah ouais. Ouais, c'est pas pour moi, quoi. Je vais aller 3 chapitres max par jour. Et encore, là, en ce moment, je lis plus trop, quoi. Faut que je me force ce soir. Il faut que je me force à arrêter à 11h30 mon jeu. Lire mon bouquin avant de dormir. Je dormirai peut-être mieux. Si tu veux, je te rappelle et on lit. Ah, oh, je suis d'accord. Comme ça, hop, j'arrête. Je vais me faire une petite tisane. Parce que là, il faut savoir partager les bons moments. Heureusement que j'ai dit que. C'est pas faux. Allez, concentration. On parle plus, on travaille. Ou en colo. Ou on dessine. Ou on joue. J'allais demander une question à Andine, mais je vais la laisser. Va se taire, chute. Non, dis-moi. Non, j'allais te demander. Tu t'allais jouer à quoi? Chute! Tu montes une nouvelle classe. Ah, mais on a dit chute. Attends, je laisse te concentrer, vas-y. Faut être allé dans la maison aussi de FF, on va pas être viré. Non, mais je suis toujours pas. Ah, du coup, tu fais monter ton perso principal.
J'ai faim. Ouais, il faut manger, voyons. On va dormir avec cette musique, non? C'est désagréable, j'ai un goût de sang dans ma bouche. Du coup, j'en regarde une chaîne. Non, j'ai même pas commencé à colo. Bah bravo, tu fais quoi? Pardon. Je m'étirtine. On a oublié de faire la détail de la fleur, madame. C'est quoi ce boulot?
J'ai peur pour demain. J'ai rendez-vous pour ma titine et... Je sens que je vais l'avoir pour bonbon. Mais bon, bien faire, hein, parce que j'ai des grands trajets qui vont arriver. C'est important d'avoir une bonne voiture en bon état quand on fait des grands trajets, parce que les routes, c'est dangereux. Faut pas faire l'imbécile. Routine. Avec le mini, lui aussi. J'adore mes petits moineaux. Ça a été. Je pense pas trop, hein. Un peu tant qu'en te rendre plus malade.
Alléluia. Pardon. Et où ta dose d'Oli? Bah, j'en sais rien, je crois qu'elle fait, elle est pas efficace. Elle est pas efficace aujourd'hui. On s'en boit plus tout à l'heure. Et en plus, j'ai bu même un cappuccino. Plus de virus qui court, même Molly ne peut rien. Bah ouais, c'est pas vraiment. Je sais pas. Ah, j'ai la tête qui chauffe là. Je perds beaucoup de sang, c'est relou. Mon corps, il en a marre là. Ça fait trois nuits que je dors pas, mais que je coupe dans mes nuits, du coup, c'est vraiment. Enfin, c'est vraiment chiant, je comprends en fait les gens quand ils disent que. Ils sont fatigués quand les nuits ils sont pas complètes. C'est vrai que. C'est encore plus épuisant, je trouve. J'ai pas l'habitude, d'habitude je dors comme un gros bébé. Et... Mais là. C'est dur. Non, bah c'est vraiment pas cool, hein, c'est nul. C'est cool, hein, la madame a dit oui, vous avez changé de pilule. Vu que c'est vos règles qui vous font souffrir, celle-là, elle vous donnera plus vos règles. Super! J'ai une russe, je les aurai toutes les semaines ou quoi? C'est quoi ce bordel là? Tommy est encore allongé sur moi. Oh, profite, profite! Bon, après, je me dis, c'est tant que la pilule fasse effet, mais. J'espère que ça va pas durer trop longtemps parce que moi je suis vite faible en fait quand je perds beaucoup. Ah bah ouais, c'est ça. Mais toi, si j'ai encore ça toute la semaine et la semaine pour. Bah. Tu vois. Bah. Je reprends rendez-vous, je pense, hein, parce que. Moi je reste pas comme ça, c'est mort. J'ai une fois par mois, ça me fait chier, alors si j'ai tout le. Je l'ai tout le mois, non merci! Non, pas du tout. Je dis, j'ai fini mes règles dimanche dernier. Et j'ai eu mes règles ce week-end. Tu vois, c'est. J'ai trop perdu en fait. Du coup, je suis toute. Après le. Merde, le. Le pharmacien il m'a dit que ça allait un peu être déréglé pendant le premier mois. Du coup, il fait attendez quand même le deuxième mois, mais bon, si je vois que j'ai encore mes règles la semaine prochaine, non, en fait, tu vois.
Gare à l'anémie, ouais, en plus je mange pas beaucoup, alors sale. Là, ça, je me suis fait un gâteau plein de. Après, je sais pas si. Plein de protéines, tout ça. Mais comment tu feras avec un enfant où tu peux perdre pendant un mois après l'accouchement? Bah, je meurs. Je suis une épave. Ouais, c'est vrai quand. C'est pour ça que bah, la gynéco m'avait dit que j'avais de la fièvre en fait et je me sentais faible dû à mes règles parce que je sais pas. Oh lolo. Ça donne envie d'avoir des enfants, tiens. Comment la dégoûter? Elle dégoûte Fébert. Bah ouais, elle me dit que bah c'est de. Bah, ça provoque de mes règles, du coup, c'est pour ça qu'elle m'a donné en fait une nouvelle pilule en disant que celle. Bah après, elle fait. Ça dépend des femmes, elle fait. Avec cette pilule, il y a des femmes qui l'ont plus du tout, il y en a oui, mais légèrement, tu vois, pas. Parce qu'en fait, c'est dû à la. Que je perds beaucoup, que je souffre en fait, du coup. Sinon, la pilule, ça m'a fait pareil. C'est-à-dire. Tu l'avais tous les mois, c'est ça? J'ai pas compris. Pourquoi tu. De quoi ça fait pareil? Parce que j'ai parlé trop de trucs, du coup. Ah, que ça te fait souffrir peut-être ce que tu parles. Parce que je sais que t'as fait un. Ouais, après, c'est ce que je me dis, tant que. Ça fait une semaine que je l'ai commencé. À 8 jours exactement. Ouais, c'est ça, ouais. Mais je sens que cet après-midi, je vais finir dans mon lit en fait. Je sais pas, je le sens gros comme une maison là. Je commence à voir mes yeux qui. C'est comme si tu te vidais de ton sang en fait. Bah. C'est dur de. Tu vois, imagine quand tu te vides de ton sang, toi, quand tu te prends une balle. Ouais. On peut pas imaginer en vrai. Donc, ouais, c'est pas naturel tout ça. Bah ouais, non. Mais bon, sans ça, j'aurais je sais pas combien de marmots, quoi, tu vois. Ou pas, hein, sans doute. Je le sais même plus. J'ai commencé ma pilule à mes 18 ans et j'ai pas arrêté, du coup. Je me rappelle plus du tout c'est quoi mon cycle, quoi. Puis je l'ai eu toute jeune, mes règles, je me rappelle plus.
Et du coup, tu prends pas de pilule en fait, on dit net. T'en as jamais pris? Ah ouais, non, t'as pas. Non, j'ai pas pris, ok, j'avais pas vu le pas en fait. Bah, j'avoue, ouais, quand tu connais et tout. Mon foie ne supporte pas. T'as bien raison, moi, t'es tranquille. Moi, je veux dire, t'as pas. J'avoue que des fous, j'ai envie d'arrêter, mais bon. Ça dérègle tout ce bordel. Et tu crois qu'ils font vraiment des. Non, ça peut être bon pour eux. Bah, c'est pas très bon pour nous. Bah ouais. Moi, t'es pas bon tout court, quoi. Ni pour l'un, ni pour l'autre. C'est pas faux. Hop, eux ils mettent que la graine, et le reste c'est nous quoi. La grossesse, l'accouchement, la pilule, le saignement. Et ils ont juste à enfourner la graine quoi. C'est dur en fait d'être une femme. Grave. Ouais, c'est pas fou. Parce que là, gynéco quand elle m'a dit, ouais, votre pilule est pas très bonne, elle peut vous provoquer des maladies, tout, je fais quoi? Bah, elle risque, mais ouais, quoi, ça te donne envie, en fait, hein? Je me rassure, j'ai. J'ai quel âge? 31? Ouais. Je sais même plus quel âge j'ai.
J'ai 31 ans, je prends ma pilule depuis mes 18 ans et vous me dites ça. Bon, super, en fait, je suis déjà foutu, en fait, je suis condamné. C'est long à faire les feuilles. Non, c'est pas vrai, je vois pas ce que tu veux dire. Écouter des musiques de FF, ça donne envie de jouer. Mais je veux rejouer à tout, c'est trop chiant. FF ou Sandrock. Pour le moment, c'est Sandrock qui prend le dessus. C'est parce que c'est nouveau. De quoi la musique? Des musiques comme ça, t'as envie de dodo? Oh, il y a du violet là, on va mettre les effets violets. C'est lequel? Il bouge un peu plus. Non? Ouais, non. Moi, ça fait plus du métal. Bien sûr. Parce que... Oh non, mais je vous ai demandé au début de stream si vous l'entendez la musique. Vous me dites rien. Vous l'entendez pas? Je pose la question et tout, vous me dites rien. Je sais pas quand. Non mais même si vous... En fait, quand je fais colo et quand je fais du tuto, il y a toujours de la musique. Alors si vous entendez rien, c'est qu'il y a un problème en fait. Si je fais ma colo, dessin, aquarelle, c'est juste que quand je joue, il n'y a pas la musique. Ça c'est normal. Mais quand je fais autre chose que jouer, il y a toujours de la musique. Alors si vous entendez pas la musique, c'est que je vais vous crier: Nufi, y a pas de musique! C'est quoi ce bordel? Crie pas. Oh pardon. Bah je l'entends moi, bah c'est quoi ce bordel? Ah du coup c'est un peu trop fort pour toi Andinette alors. Là c'est bon, vous l'entendez? Merde, quand je crie, ça fait... Oh là là, mais attends, il faut que je baisse le micro aussi alors.
Est-ce que là, la musique et ma voix, c'est bon? J'entends pas bien. Ah, c'est bizarre. Monte le son. Je monte tout doucement. Bah ouais, c'est ça. Ça n'est... Encore. Et là. You were so long. Encore un peu. Hop, voilà. Je monte encore un petit peu. J'aime pas la musique là. Bah j'ai fait les OST de... On va remettre du Zelda. J'étais plus belle les musiques de Zelda. Oh. Là, coucou Inata. Un peu plus fort. Attends, c'est parce que là, elle démarre. Ça, c'est vrai, putain, je suis bientôt au bout de la barre là. Je suis bientôt dans la partie orange. Bah, là, je suis dans la partie orange. Ah, moi je l'entends. Bah je veux dire moi c'est dû à la... Sur Spotify en fait. Mais je peux changer le niveau de... Non, casque. Mais c'est parce qu'elle fait des enceintes du coup en même temps je suis pas obligé de le mettre sur mes oreilles quoi. J'entends la musique. C'est un casque haut-parleur. Ouais, c'est parce que ça me fait chier tout le temps. Mettre le casque sur ma tête, c'est chiant. J'ai. Bon, là c'est bon, touche pas. Ok, et tout le monde, c'est ok. Et Micha, Ondine, tout le tralala, tous mes choukis. Je baisse le son parce que sinon je vais peut-être comme... Bah tu vois, c'est bizarre. Comment ça se fait que chacun a son... Et tu m'entends? Faut pas se baser sur moi, j'ai les oreilles sensibles. Et tu m'entends quand même? J'entends à peine, lol. Non mais vous êtes sourde. J'entends les mouches marcher au plafond, mais c'est... Mais... Non, c'est honteux. Bah, et Micha non plus, on entend pas. Parce que là, franchement, j'ai la cap... J'ai la barre de son du truc. Elle est ici, hein. Si je vais plus loin, elle est dans le rouge. Moi, c'est nickel là. Et sans doute, elle m'a rediff, on va même pas m'entendre en fait. Là, la voix de Nufi, elle est noyée dans la musique. Oh, glou, 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 glou. Mais. Attends, je remets comme ça.
Voilà, j'ai mis un peu. Un entre deux. Voilà, j'ai. Au moins là, je suis dans le vert, tu vois, je suis restée dans le vert. Alors que moi, Nufi, elle crie. Oh non, mais c'est. Alors, Emissa, elle m'entend pas. Elle m'entend pas, elle m'entend trop. Ondine, je suis noyée par la musique. Et May, c'est nickel. C'est vrai que ta voix n'est pas assez douce, il doit y avoir un truc trop saturé. Après, je t'avoue que je sais pas comment les gains et les trucs comme ça, je sais pas à quoi ça sert. Toi, j'ai des trucs derrière le micro. Le pattern et le gain, je sais pas, je vois pas du tout à quoi ça sert. Tu vois, c'est juste un problème de. À 6%, ah ouais, quand même. Le gain, c'est pour monter la prise de son, je dirais. La prise, c'est-à-dire. C'est quoi une prise de son? J'y connais rien, moi. T'as du mal à démarrer musique ou c'est que je t'entends pas? On met une note parce que j'entends rien. Ça va capter plus loin. Alors, du coup, ça il faut pas que je le change. Comme tu es près du micro, bah l'œil est. Bah, je sais même pas comment on voit le. Tu vois, il est. Il est là. Il est au milieu en fait, il. Je sais pas comment on fait pour le voir en fait. Bref, bah ouais, mais je sais pas comment on fait. C'est ça le souci, je sais pas comment on fait, Tine. Font chier un micro, c'est un micro quoi. Pourquoi il y a tant de bordel à faire? J'ai trop de trucs à apprendre, moi, pour mon truc. Ça fait chier. Je suis quelqu'un qui a du mal à apprendre, alors c'est trop chiant.
Et du coup, vous m'entendez ou vous m'entendez pas en fait? Ah, ok. J'ai passé tout le live à faire à faire les feuilles. Non. Je regarde quand même si mon micro il est bien mis sur mon Yeti en fait. Ouais, si c'est bon.
Il me reste plus que 4 des feuilles. Pardon.
On a fini les feuilles. On va passer au tronc. Mais aux branches, je veux dire. J'ai le frisson, je regardais si la chaudière elle va toujours. On y va. D'être trop bien, ça n'empêche. Je dois lui dire sur le radiateur. Pardon. Moi je vais aller mettre mon cucu sur la couverture chauffante d'Inata. Inata va aller où? Elle va retourner sur ton clavier sinon.
Ça fait mon lapin. Sur mon trésor. Oh, il est tout chaud. Oh, le doudou, il est tout chaud. Bébé d'amour. Ce garçon a accusé son maman, le garçon. Un petit ronron. Bon, c'était vite le câlin. Oh mon chéri. Pourquoi t'es pas resté au chaud? Pourquoi t'es pas resté au chaud, mon cœur? Le cucu du doudou. Je vais montrer ton cucu à tout le monde. Il a sorti la langue. Non. Pourquoi tu fais des grimaces? Vas-y, ose le refaire, faire des grimaces à tout le monde. T'es camouflé avec mon pull. Le bébé c'est maman. Moi j'ai le gros bébé c'est maman. T'es beau mon garçon. Un beau fils. Pas besoin d'enfants, j'en ai deux. Allez. Allez, gros cul. Palapam papam. Palapam papam. Palapam papam. Non, 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 ouais, mais non. Je t'aime, hein, mais. Bah oui, voilà, il y a le cul sur l'iPad. Bah ouais. Le cul sur l'iPad, c'est confortable.
Oui, un direct Nintendo cet après-midi pour. Cet après-midi, je pense, ouais. Pour des jeux indépendants. Et Nufi, Nufi, quoi, Kikia? C'est moi? Il pleut, berger. Entre les chatons. Il fait que pleuvoir depuis je sais pas combien de temps. Qui a eu une idée folle un jour d'inventer... Qui a eu cette idée folle d'un jour d'inventer l'école? C'est ce sacré Charlemagne. Sacré Charlemagne. Il pleut, berger. Petit pont, petit patapon. Rentrez les chatons. Allez, voilà, bonne journée. Mais... Et Mimi, elle nous met des trucs en tête et après, elle s'en va. Sacré Charlemagne. Moi, je répète, mais c'est qui a inventé le travail? L'école, ça passe. On devrait tous vivre de nos passions. Sans argent, oui, ou alors un monde sans argent. Ondine, puis toi, il mange ta gomme que tu m'as offert. Non, je la remets dans la boîte. Hein. Mais non, c'est pas pour toi. T'es chiant. Je l'ai remis dans la boîte parce qu'il mange mon nounours. Il mange mon nounours. Ah non, je suis obligée de le remettre dedans. Tu me le manges. Méchant doudou. Mon petit nounous. Mais toi, tu peux bouffer la boîte et je m'en fous. Il se frotte dessus du coup. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes comme ça? Ça y est, je t'ai crié dessus. Ça te va pas? Au pied. Au pied doudou. Mais attends, il mange autre chose, mais il est pas bien en ce moment, je sais pas ce qu'il y a, mais ça fait 3 jours qu'il arrête pas de faire des bêtises. Il ment, il... Mais arrête! Mais... Qui veut ce félin? Comment il pense? Depuis que je lui ai donné son médicament, en fait, il... On dirait qu'il m'en veut, du coup, il me fait des bêtises. Mais mon chéri, c'est pour ton bien. C'est pour pas que t'as des vers à ton cul. C'est pour toi que je fais ça, c'est pas pour t'embêter. T'aimes bien? Attends, on le voit pas. Il comprend une fois sur deux. Mon bébé.
Je fais que des bêtises quand tu es là. Parce que lui, c'est l'inverse, en fait, comme chant. Il fait des bêtises que quand on est là. Ben, ça va. Et quand on n'est pas là, ben, il est malheureux. Du coup, il est tout sage. Et mon cœur. Ouais, il met dans lui. Oh mais Micha, maintenant je l'ai en tête. Qui a eu cette idée folle d'un jour d'inventer l'école? C'est nul à chier quoi. Il faut mettre une autre musique en tête. Elle va plus la Zelda là? Tampane? Mais tu peux pas chanter ça aussi. Il reste plus que les fleurs et les oiseaux. Et les oiseaux. Non, c'est turquoise que j'avais fait les fleurs. 330. On va pas sur la tour, mais... Doudou chiant, hein. T'as doudou relou, là. Doudou heureux. On va faire un petit bourgeon et puis après. Je vais vous laisser là.
dis, c'est demain qu'on regarde. On regarde quoi déjà demain? C'est pas Princesse Mononoké? Je sais plus ce qu'on regarde demain. Une paire de mémoire. Ah bah tiens, bah je ferai mon Ilu en même temps que le film en fait. Ça serait pas mal. Parce que je dois faire une Ilu de Princesse Mononoké. Après le boulot, je ferai un petit croquis pour ma maman. J'aime bien celle-là. Que je continue mon colo aussi. Mon colo pour ma mission. C'est long, tous ces arbres à faire. Non, non, non! Mais. Il casse-couille! Il tente à chaque fois, hein. Il sait, mais non. Il tente. Hop, elle est concentrée sur son colo. On va tenter d'aller sur la tour. Mais non. Non, non, non. Je suis pas d'accord. La fois, elle m'a fait ça, mais j'étais en plein taf. Du coup, ben. Ça va, maintenant j'ai la manie de sauvegarder tous les 5 minutes, mais bon, c'est chiant, quoi. C'est pas cool. Il y a vraiment des petits filous, ces petits chatous là. Voilà. Il ne restera plus que les fleurs entières, puis les oiseaux, et puis on aura fini. La semaine prochaine, ce sera le dernier live.
un dernier stream pour cette partie. En même temps, je vous montre parce que j'avais fait la base aquarelle avec vous. Tadam! J'adore trop la Fifi, elle est trop belle. Et bien sûr, moi, je suis les cheveux violets. C'est juste que c'est là que ça va être long. À faire tous les détails de l'arbre. Là, je sais pas encore comment je vais faire. Je verrai bien. C'est pareil, je vais retravailler les nuages un peu plus foncés. Et mettre du Posca pour pas qu'on voit les traits. Encore, c'est cool. C'est colo, les traits sont pas fort noirs. C'est vraiment pas mal. Parce que du coup, tu peux le faire à ta sauce, quoi. Tu peux repasser au plus foncé si tu veux plus. C'est vraiment top, ces livres. Je les aime bien. J'essaierai de faire mes colos que dans ceux-là pour l'aider les challenges. Comme ça, ça va me les faire avancer un peu. Et j'ai aussi faire pour les souris. Comme ça, ça m'avancerait en fait. Y a pas un truc sur l'automne là? Non, puis sans lit, c'est plus. Comme ça, je me dis en même temps, je peux. Vu que ça prend pas longtemps, des petits colos comme ça. Hein, qui fait penser à l'automne. Comme ça, je le ferai en même temps. Parce que ben, il faut que je le finisse pour le mois de mai. Ah, celui-là, il peut fonctionner sur l'automne. Là, on fait les feuilles mortes. C'est Pâques. Oh, le Totoro. J'adore. La ref. Ils hibernent en hiver, par contre, les autres, les nounous. Du coup, ils tomberaient mieux sur le thème d'hiver. Tu vois, je fais les feuilles gelées, tout ça. Ah, lui, ce sera plus à l'hiver que je vais le faire. Lui, et du coup, ben. Je peux en faire deux, c'est cool. Ça, j'ai déjà fait. Oui, ça va bien, Inata et toi. Inata, elle est en forme. Ça veut dire que maman, elle a piqué ton tapis chauffant. Hop, je vais le mettre là. De yoga, du yo-yo, zen. Ah, elle est chaud. Je vais la mettre à la poubelle. Mais non, donne-la moi. Je vais la pas à la poubelle. J'étais partie faire à manger. Elle m'a la profité. Bon. Attendez, j'entends mon chat faire des conneries. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais encore?
Tiens, tu vois, poubelle. Ah, je te jure, hein, ils relou, là. Je dis, depuis que j'ai donné son cachet, il est trop chiant. Bon, est-ce que j'ai une petite... Allez. On va faire quand même 20 minutes. Non, pas 30. J'ai pas envie de 30 minutes. Non, pas 30. Non, pas 45 non plus. Non, non. 22 minutes. J'aime bien 22 minutes. Exercice aérobique pour perdre du poids rapidement. Oui. Ouais. On va dire ça. Non, allez, on va faire 27 minutes. Parce que 22, ça sert à rien, je crois. Tu devrais peut-être le prendre, le cachet. Hein? Quel cachet? Ah, il veut que je prenne son cachet. J'ai pas compris. Ouais, je vais pas prendre son cachet. Ah, pour dire, voilà, toi, tu prends un cachet, je prends un cachet. Bah, c'est bon, maman, elle a eu assez de cachets là, ces derniers temps. Ouais, je prends 27 minutes. Ouais, ça va peut-être me réveiller. Qui sait? Parce que je sais que 22, bah pour moi, ça sert à rien et qu'on vaut mieux rien faire. Que 27, ce sera pour le jeu 30 minutes. Je fais des petits échauffements avant, des petits étirements. Du coup, bon, c'est bon, ça fait 30 minutes. Bon, mes chouquis, je vais vous laisser. Je mets la radio plutôt cet après-midi. On verra comment je vais être, bon dodo. Si je vois que j'ai retrouvé un peu de forme, bah, je bosse, mais sinon. Ouais, je vous mets la musique, mais. On verra bien. On verra, on verra. J'ai pas trop envie de forcer parce qu'après. Après, ce sera pire. Bon, en tout cas, on se retrouve jeudi matin en live du coup pour les tutos. Pardon. Et du coup, là, cet après-midi, pour ceux qui sont là pour la radio, je vais écouter la radio toute seule. Faut dormir. Laisse tomber. C'est pas à l'heure de dormir là, mais il fait tout noir. Non? Il fait tout sombre. Quand il fait sombre, normalement c'est l'heure de dodo, non? Ah, comment elle me parle, Ondine. J'ai pensé. Ah bah Ondine si. Moi je Il faut oser, il faut. C'est marrant. C'est parce que là j'ai mis de la lumière, mais sinon il fait tout noir. Attendez, regarde. Hop. Voilà. Il fait tout. Bah tout noir. Il fait pas non plus tout sombre, mais regarde, on voit plus rien. C'est pas grave, je rallume pas. Ah bah si, je vais rallumer. Je suis malade. Moi aussi. Moi aussi. On est tous malades. Complètement malade. Pas moi. Mais t'as pas été malade un moment? En fait, c'est toi qui l'as refilé. Tu l'as refilé sur Discord. Complètement malade. Faites des gosses, bah ouais, voilà. Tu vois, faites des gosses, t'es trop malade. Ah, du coup, il arrive plus à faire la mise au point. C'est bon? Non. Bon, c'est pas grave. De toute façon, je vais vous laisser là.
à se motiver pour faire un peu de sport. Mais bon, je promets rien, sans doute au bout de 15 minutes, je vais arrêter, quoi. Non, pas Joss. Du coup, mais si. Et bon, bien moi à vous aussi. Je vous ai vu tout à l'heure sur la radio. Oui, mais si. Merci à vous aussi, bon courage pour le boulot. T'as bien avancé, on dit net. Bon sport, bon nap, bon dodo. Ça y est, May, elle a dit tout pour la journée. C'est minutes. Allez, courage, courage. 125, ah oui. Ah oui. Bah allez. Avec la radio cet après-midi, ça va motiver. Hop. Travailler en 2-2. Ça calme. Des bisous. Plein de petits cœurs à vous. Et du coup, on se retrouve jeudi matin en live. Pour, des pour le tuto. Je vous kiffe mes choukis. Prenez soin de vous. Oui. N'est pas tout, n'est pas tout, n'est pas tout.